téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une très belle entrée dans le temps de la Passion, pour ceux, en tout cas, qui suivent le rite traditionnel romain. Et évidemment, ça sera pour la semaine prochaine, pour ceux qui suivent le nouveau rite. Mais voilà, nous sentons que l'approche de Pâques se fait plus pressante. Je voulais aussi vous inviter, chers amis, à prier pour l'abbé Gordien. Beaucoup d'entre vous l'ont connu. Et moi, voilà, j'avais eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. J'avais été très édifié par cet excellent prêtre qui vient de laisser un testament spirituel tout à fait émouvant et édifiant. Voilà, priez pour lui. Il vient de passer de cette terre au ciel, j'espère pour lui en tout cas, et nous avons à prier pour le salut de son âme naturellement. Alors maintenant, j'en viens au programme de notre émission. Tout d'abord, je reçois Romain Delenda pour parler de l'application Meditatio, qui est le prolongement, le développement du site Hosanna, dont on a déjà parlé ici. Puis, je recevrai l'abbé Roy pour parler du travail d'un jeune prêtre, donc jeune prêtre de la Fraternité Saint-Pierre en l'occurrence, jeune prêtre en paroisse et en aumônerie. Voilà, nous allons parler ensemble de cela. Et enfin, nous recevrons Stanislas Larmina, qui est déjà venu plusieurs fois sur ce plateau et qui vient de nouveau nous parler d'écologie et d'église. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission, et donc j'ai le plaisir d'accueillir Romain Delenda. Bonjour Romain. Bonjour, merci de me recevoir. Mais je vous en prie, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un peu le porte-parole, vous êtes l'un des animateurs de l'application Meditatio. Meditatio, c'est un peu le prolongement d'Hosanna, ou c'est complètement déconnecté? Enfin, je sais bien que c'est la même équipe, mais... Alors, c'est une autre structure. Hosanna, c'est une association. D'accord. Et Meditatio, c'est une société qui a aussi été fondée par mon frère Thomas Delenda. D'accord. Donc effectivement, c'est des projets assez cousins, Mais voilà, ce sont bien deux projets séparés. Alors, Meditatio, c'est un peu pour répondre à cette soif de, j'allais dire, de méditation, de bien-être, de ceci ou de cela, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on voit beaucoup aussi dans les couleurs du métro. J'imagine que c'est pour offrir une méditation chrétienne là où les gens cherchent un peu tous azimuts. Bah exactement. Je pense qu'on est cette soif dont vous parlez pour de la méditation, pour un peu de calme, ça traduit en fait des besoins créés par notre société, sociétés qui vont à toute allure. Les gens, je pense qu'ils aiment bien, ils cherchent ces temps de havre de paix. Un peu de sens. Et donc c'est pour ça qu'il y a un boom des applications de méditation. Voilà, c'est un marché qui a vraiment explosé sur les quelques dernières années. Mmh. Il y a plus de 1500 applications de méditation qui ont été créées. Et dans toutes celles-là, quasiment aucune chrétienne. D'accord. Ou alors quelques-unes, mais en français en tout cas, il y en a quelques-unes aux États-Unis. Mais en français, voilà, il n'y a aucune application qui veut répondre à ce besoin un peu de... Ce besoin, vous dites, c'est un besoin de la société, mais est-ce que ce n'est pas aussi un besoin de l'être humain en général, d'avoir un peu de temps de recul dans sa journée, simplement pour penser à quoi ça sert de courir toute la journée, en quelque sorte? Bien sûr. Je pense que c'est un besoin, effectivement, anthropologique profond, assez profond. Quand je dis de nos sociétés, parce que je pense que on est des sociétés, on est particulièrement pollué par du bruit permanent, ça, et notre attention, il y a une guerre pour notre attention. Une course au zapping, et donc effectivement une course. Et donc ce besoin se fait d'autant plus parce qu'il n'y a rien qui n'y répond. Quoi. Ouais. Alors comment ça se présente, Meditatio? J'imagine qu'on télécharge l'application, et qu'est-ce qui se passe après? On télécharge l'application, et on arrive et on voit des programmes de méditation qui nous sont proposés. Et on sélectionne le programme qui nous parle, on clique sur lecture et on se laisse guider. Il y a une voix qui va venir nous guider dans notre méditation. D'accord. Donc c'est vocal, c'est pas écrit? C'est vocal, absolument. Et donc concrètement, vous écoutez ça dans le métro? Comment ça... Alors concrètement, on a des méditations qui sont faites pour être faites dans les transports.
On en a qui sont faites pour être faites en marchant. D'accord. Moi, personnellement, j'aime l'utiliser le matin au réveil, devant mon coin prière, donc dans le silence, dans le calme de ma chambre. Évidemment, il y a beaucoup de programmes qui sont adaptés pour ça, et c'est quand même le cadre le plus propice, en tout cas un cadre très propice à la méditation silencieuse. Mais voilà, effectivement, on prévoit aussi de proposer du contenu qui est adapté dans le métro, de la vie, ouais. De marcher dans la rue. Mais ces programmes sont donc c'est quoi? C'est des programmes sur une semaine, sur un mois? C'est comme le timing de ces programmes, c'est quoi? Alors ça va vraiment dépendre. On a par exemple il y a la méditation du jour. C'est une méditation différente chaque jour. Donc qui n'est pas, il n'y a pas forcément de continuité entre chaque méditation du jour. D'accord. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent juste arriver sur l'application et cliquer sur lecture. Et après, il y a des programmes qui vont faire rentrer, par exemple, dans une certaine spiritualité. Donc, un programme d'introduction à l'oraison carmélitaine. Uh-huh. Donc, ça, c'est, je sais plus combien de programmes. Il doit y avoir 7 ou entre 7 et 9 méditations dessus. D'accord. Donc, voilà, fait pour être fait sur une grosse semaine. Une grosse semaine, d'accord. Okay. Voilà, là, en ce moment, pour le carême, on a un programme qui va plutôt guider les gens sur 40 jours. J'imagine, ouais. 90, parce qu'on a aussi, on a aussi un programme qui invite les gens à poursuivre jusqu'à la Pentecôte. D'accord. Donc voilà un peu un défi 90 jours de méditation. D'accord. Parce que je connaissais la logique où on se prépare 70 jours, ben donc à partir de la Septuagésime dans l'ancien calendrier, mais on se prépare plus longtemps que pendant le carême à Pâques. J'avais jamais eu cette idée de bloc carême plus temps pascal. Parce que la coloration est un peu différente quand même, c'est pas tout à fait la même ambiance. Oui, tout à fait. Et donc c'est quoi, c'est des prêtres, c'est des laïcs, ou c'est vous-même qui animez ces programmes? Comment ça se passe, la constitution en fait des programmes? Ça va dépendre des programmes. La méditation du jour, c'est nous qui la produisons. Alors quand je dis nous, c'est pas moi. Moi, je travaille pas sur le contenu, je travaille plutôt sur la partie contenant, donc l'application, les fonctionnalités, etc. Et pour le contenu, donc quand nous on produit notre contenu, c'est l'équipe contenu va se baser sur des écrits spirituels, des écrits d'enseignement sur la spiritualité. Et surtout, on va pas forcément proposer des commentaires explicatifs, mais on va plutôt aider les gens à se mettre en condition de la rencontre de prière, du Seigneur. Donc déjà de se retrouver dans l'instant présent, dans son corps, et voilà, peut-être par des exercices de respiration, déjà pour essayer de créer la condition de la rencontre, d'accord. Et après livrer des passages de l'Évangile ou des Écritures en général, et peut-être poser quelques questions ouvertes, voilà, pour permettre aux gens de passer ce temps avec le Seigneur, plutôt que de nous commenter des choses. Et sur d'autres programmes, donc je vous ai évoqué l'oraison carmélitaine, j'en parle parce que moi c'est un programme qui m'a particulièrement parlé. C'est un programme qui a été fait en collaboration avec des frères carmes, donc c'est la... Ouais, c'est le métier en quelque sorte. C'est le métier exactement, ils passent plusieurs heures par jour à faire oraison, ah, donc ouais. C'est les mieux placés pour en parler. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, donc ça, sur ces méditations-là, en général, ça commence par quelques minutes d'enseignement un peu théorique sur l'oraison. Et après, il y a une quinzaine de minutes d'oraison guidée par la voix. D'accord. Et les quelques minutes d'enseignement, donc c'est ces frères carmes qui proposent le contenu et qui vont eux-mêmes puiser dans les écrits de Saint Jean de la Croix, de Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. D'accord. Et moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial, parce que c'est évidemment des grands mystiques, des grands maîtres spirituels, et donc ça rend accessible leur enseignement. Ouais, ouais. Parce que voilà, lire Saint Jean de la Croix en espagnol venu, dans le texte, c'est pas forcément à la portée du premier venu, mais donc voilà, c'est un peu essayer de rendre accessible tout ce trésor de,
de connaissances. Mais donc, si je vous entends bien, y a d'un côté les conditions, j'allais dire, physiologiques de la méditation, donc des choses qui pourraient tout à fait être bouddhistes ou autre chose, enfin, qui sont très naturelles, entre guillemets, donc la respiration, le fait d'être présent à l'instant présent, etc. Et puis, de l'autre côté, méditation sur l'écriture, méditation sur les grands saints de l'histoire de l'Église, mais qui... Donc, j'allais dire, le contenu et le contenant, là, je ne parle plus de la technique d'application, mais elles sont éventuellement complètement séparées ou vous tenez beaucoup à ce que ça soit attaché l'un à l'autre ? C'est-à-dire qu'on peut... On a aussi un onglet méditation libre où la personne peut, les gens peuvent un peu choisir, par exemple, une partie de mise en condition et après choisir un extrait de l'évangile sur lequel ils ont envie de méditer. Je pense qu'effectivement, on veut les mettre ensemble parce que je pense qu'il y a un besoin particulier, hein, comme je le disais un peu tout à l'heure, dans notre époque, de prendre ce temps de faire un peu de retrouver un peu de silence déjà extérieur pour aller à la recherche du silence intérieur, parce que je pense que quand on commence à faire un silence extérieur, on se rend compte que en fait à l'intérieur ça peut être bruyant et c'est peut-être pour ça qu'on s'enveloppe de bruit en permanence et pour pas écouter ce tumulte. Absolument. Vous aviez un code spécial pour les gens qui veulent le télécharger après notre émission. Donc le code, je reprends juste mes notes, le code avantage liberté 2023. Donc, liberté avec un S, qui va permettre d'accéder à l'application, à l'ensemble du contenu gratuitement. D'accord. Pendant 2 mois. Donc le code avantage est valable jusqu'à fin avril. À partir de maintenant, jusqu'au fin avril. Très bien. Et j'en profite pour expliquer un peu. Donc là, c'est un code avantage qui donnera accès à l'ensemble du contenu. Mais même sans code avantage et sans abonnement, les utilisateurs peuvent déjà avoir accès à certains contenus qui sont gratuits. D'accord. Par exemple, la méditation du jour, qui est différente chaque jour, est gratuite. D'accord. Et après, c'est si les utilisateurs veulent à la fois soutenir notre mission, qui est cette mission de rendre accessible tout ce trésor spirituel de l'Église à nos contemporains. Donc déjà, c'est un moyen de soutenir cette mission-là. Et c'est aussi pour avoir accès au reste du contenu. Et là, la petite originalité aussi par rapport aux applications de méditation en général, c'est que on propose aux utilisateurs de contribuer à la hauteur de ce qu'ils souhaitent sur cet abonnement. Merci beaucoup. Et donc, on souhaite le plus grand développement possible à méditation. Merci Romain. Merci à vous. Retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Paul Roy. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors je précise juste pour nos amis téléspectateurs que l'invitation était surtout pour la séquence qu'on aura le dimanche prochain, le dimanche des Rameaux, parce que je voulais qu'on parle de l'application Claves. Mais avant, puisque j'ai le plaisir de tenir, si je puis dire, un jeune prêtre sous la main, je voulais qu'on parle un peu de votre découverte de l'apostolat, de comment vous aviez été formé par le séminaire à l'apostolat. Et donc, en gros, le quotidien d'un jeune prêtre qui arrive d'un séminaire tradi en France, comment ça se passe? Donc, vous avez été ordonné tout récemment? Avec joie, oui. J'ai été ordonné donc le 2 juillet dernier. D'accord. Ça fait quelques mois, simplement. J'ai eu la grâce d'être ordonné tout près du lieu où j'exerce mon ministère pour la première fois, auprès des âmes, dans la cathédrale de Lescar, donc l'année dernière. Et je suis aujourd'hui en ministère à Pau. Très bien. Donc, vous avez été ordonné par Mgr Ayé dans une cathédrale de Mgr Ayé pour le diocèse de Mgr Ayé. Mais pour la Fraternité Saint-Pierre. Pour la Fraternité Saint-Pierre. À laquelle est confiée, donc, vous le savez, une mission par les différents évêques. En l'occurrence, pour ma part, c'est pour le moment l'évêque de Bayonne qui nous donne cette mission avec mon supérieur. Nous sommes donc 2 prêtres en communauté à Pau, avec différents services, différents apostolats. C'est ce que j'allais vous demander. Donc, vous avez la chapelle, évidemment. Vous avez une chapelle dans le centre-ville de Pau. Ouais. Et puis, à côté de ça, vous avez, si j'ai bien compris, une aumônerie dans cette catholique. On contribue, voilà. Ouais. Et une aumônerie d'hôpital. Et exactement, aumônerie d'un hôpital aussi, avec différents services, des services de soins palliatifs. Donc on est
proche des plus jeunes, comme aussi de ceux qui sont arrivés au terme. Ouais. Et c'est très beau. J'ai eu une journée de jeunes prêtres vraiment magnifique le 8 décembre dernier. Et j'ai vu ça un peu comme une bénédiction de l'Immaculée. J'ai commencé ma journée par la messe. J'ai confessé toute la matinée les enfants du primaire. D'accord. J'ai passé l'après-midi en cours avec des enfants du collège, du lycée. Terminé par une heure d'aide aux devoirs avec des collégiens un peu en difficulté, à faire des mathématiques, de l'espagnol, du français, de l'allemand. Appelé pendant l'aide aux devoirs pour aller donner une extrême onction. Et donc terminé ma journée auprès d'une personne qui était près de la rencontre avec le Père, à l'accompagner pour ses derniers moments. Voilà, on retrouve le soir ces pénates avec une légitime fatigue, mais le sentiment d'avoir œuvré un petit peu dans le jardin du bon Dieu. D'accord. Et puis d'être vraiment au cœur de la mission de prêtre, parce que le prêtre, c'est d'abord celui qui apporte Dieu aux hommes à travers les sacrements. Et en fait, c'est cela, la messe, la confession, l'extrême onction. Évidemment, c'est là qu'on est au service des âmes et un tout petit ouvrier du Père. Ouais. Et alors, tout se passe bien, de cette façon un peu bizarre de présenter les choses, mais comme en ce moment, tout le monde a tendance à dire que les prêtres tradis sont des gens qui sont un peu bizarres, vous êtes bien accueillis dans cette aumônerie d'enseignement catholique, vous êtes bien accueillis à l'hôpital, Dieu merci, tant les enfants que les personnes en fin de vie ne s'arrêtent pas, je pense, à ce genre de préjugés et aux costumes, exactement. Au contraire, les enfants ont plutôt tendance à s'accrocher aux costumes. Il faut que je fasse attention à ne pas perdre ma soutane en traversant la cour de récréation, au moins pour les petits. Non, vraiment, on est accueillis très naturellement et je pense que le fait d'être prêtre de manière complètement incarnée, assumée, en fait, répond à une attente. Personnes veulent trouver des prêtres et ils en ont tous besoin. Ouais. Une dame dans la rue m'a arrêté juste tout à l'heure, ici à Paris, et m'a dit « Mais vous êtes habillée de manière reconnaissable ?» J'ai dit « Mais oui, il faut qu'on puisse trouver le prêtre partout. » Elle a dit « Oui, c'est vrai, on a tous besoin du prêtre. » Très simplement, une dame qui avait l'air vraiment modeste, mais on est en fait vraiment un instrument de Jésus en étant pleinement prêtre. Alors, pardon, je vais continuer à jouer les avocats du diable. C'est pas du tout pour vous piéger que je vous ai invité, mais parmi les questions qu'on sent flotter dans les airs en ce moment, notamment après Traditionis Custodes, il y a le fait que les séminaires, notamment en vie graduale, les séminaires tradis en général, forment très mal à la pastorale d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Posons la question aux fidèles, à ceux qui nous entendent le dimanche prêcher, et peut-être à ceux qui nous confient aussi leurs enfants pour le catéchisme. Pour le moment, on n'est pas au chômage, donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine demande qui répond à notre offre. Mais vous n'avez pas le sentiment d'être décalé parce que vous avez fait du Saint Thomas au séminaire et que vous ne faites pas du Saint Thomas au catéchisme ? Eh bien, au contraire, j'ai l'impression d'être finalement sur la bonne longueur d'onde grâce à Saint Thomas d'Aquin. Et c'est assez fascinant. Il est mort il y a presque 750 ans, on va fêter le jubilé. Ouais. Et pourtant, il a une actualité qui est très impressionnante. Et je pense qu'en ayant été nourri véritablement par lui au séminaire, on nous a presque... Ça fait partie vraiment des charismes de la Fraternité Saint-Pierre, cet attachement à Saint Thomas d'Aquin, à la tradition théologique de l'Église. C'est presque comme si on avait branché notre cerveau sur le cerveau de Saint Thomas pendant 7 ans, pour nous apprendre à penser comme lui. C'est un bon cerveau sur qui se brancher. Ouais. Voilà, on aurait pu choisir pire. Finalement, pour répondre aux questions d'un enfant de CP, qui parfois sont beaucoup plus métaphysiques que ce qu'on pourrait imaginer et vraiment presque dérangeantes. Heureusement que nous avons les principes de la science thomiste. Alors, on ne va pas forcément lui répondre avec tous les points d'un article de la Somme théologique, mais le fait d'avoir cette réflexion, ces principes, cette logique de saint Thomas d'Aquin nous aide, je pense, à donner la bonne réponse ou essayer au moins de nous en approcher en s'adaptant à chacun. Accessoirement, comme thomiste amateur, je dois dire qu'il y a une chose qui m'a toujours frappé chez saint Thomas, c'est tout le monde imagine que c'est très poussiéreux. Mais moi, je trouve que l'ouverture à toute forme de vérité, partout où qu'elle soit, et la capacité à l'intégrer dans la grande vérité de la foi, est quelque chose d'absolument inouï. Alors, saint Thomas n'était pas tout seul de son espèce, évidemment, Dieu merci, mais saint Thomas est spécialement doué pour ça. Il est capable d'aller chercher même la vérité dans le manichéisme, qui est quand même le truc le plus, pour nous en tout cas, très exotique. Il n'empêche qu'il arrive à en tirer quelque chose
y compris pour nous. Ouais, ouais. Et je trouve que c'est une très belle façon de se préparer aussi à écouter dans le monde moderne. Le monde moderne est beaucoup de mensonges et beaucoup d'erreurs, mais il y a aussi des quêtes tout à fait rationnelles de la vérité. Ouais. Et donc on a besoin aussi d'écouter cette vérité-là. Cette confiance dans la raison humaine. Absolument. Absolument. Qui est créée par Dieu, ouais, et qui est un reflet de la lumière divine. Absolument. Je pense qu'il va chercher ça chez saint Augustin aussi. Bien sûr. On voit ça de manière très très belle dans l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio. Cette articulation de la foi et de la raison, ouais, et comment les deux sont deux manières par lesquelles Dieu nous fait avancer vers la vérité, c'est-à-dire vers lui-même, tout simplement. Ouais. Ça, saint Thomas a perçu ça avec une acuité qui n'a rien perdu, je pense, de son actualité. Je suis bien de votre avis. Et donc, concrètement, votre vie, j'allais dire quotidienne, comment ça s'organise ? Vous avez des impératifs dans votre école, dans votre hôpital, où vous êtes au presbytère et vous attendez les sollicitations. Comment ça se passe, concrètement, votre calendrier ? Alors, je suis peu au presbytère, donc il vaut mieux ne pas sonner trop souvent au presbytère pour me trouver. L'école me prend beaucoup, pour ma part, et le rythme scolaire, c'est des heures de cours qui s'enchaînent. Dans la Fraternité Saint-Pierre, on a quand même ce charisme de vie en communauté aussi. Ah, donc, on a aussi à cœur de se retrouver. Nous ne sommes que deux dans notre communauté à Pau, mais de se retrouver pour des temps en commun, temps fraternel, de repas, de divertissement, et puis les offices en commun. Une partie de l'office divin. Le reste du temps, c'est vrai que le ministère est prenant. Parce qu'il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs qu'un prêtre est tenu de réciter le bréviaire, c'est-à-dire les offices du jour. Exactement, voilà. Et vous avez rendez-vous quotidien avec le Seigneur. L'ancien bréviaire, c'est-à-dire c'est très rythmé, 3 heures, toutes les 3 heures. Y compris les matines. Frère Jacques sonnait les matines, les prêtres aussi récitent les matines. La différence avec des moines, avec Frère Jacques, c'est que nous ne sommes pas tenus de les réciter à heure fixe. C'est ça. Voilà. Donc je ne vais pas forcément quitter le plateau dans 2 minutes pour réciter non, ce qui serait l'heure du moment. Mais effectivement, le prêtre a ces petits rendez-vous ponctuels avec le Seigneur dans la journée qui permettent en fait de rester aussi en présence de Dieu. C'est une grande richesse. Et qui permettent de parler aussi au nom du peuple. Vous dites la parole de l'Église à Dieu et au peuple. Exactement. On prête nos lèvres, en quelque sorte, à l'Église. Pour prier avec nous. Ouais. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Et donc, toutes nos prières vous accompagnent pour ce tout nouveau ministère. Mais nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler d'un autre ministère dont on n'a pas parlé encore. Merci beaucoup. Revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Stanislas de l'Armina qui était déjà venu sur ce plateau. Stanislas de l'Armina, d'abord bonjour. Stanislas. Bonjour. Et vous venez de publier des entretiens avec Monseigneur, Monseigneur étant le nom générique de tous les évêques que vous avez rencontrés au cours d'un périple invraisemblable en fait. C'est une idée loufoque qui vous est... Racontez un peu comment est né ce projet. Je dirais que ça fait 10 ans que je réfléchis à l'écologie et que j'ai vu un jour 200 laïcs accompagner les évêques à Lourdes pour réfléchir à la pastorale écologique et je me suis dit que si je voulais un peu bousculer les lignes, il fallait que je me bouscule moi-même et à partir de ce jour-là, je suis parti à pied et j'ai fait le tour des archevêchés et des évêchés qui étaient sur la route entre les deux. Donc j'ai fait 3200 km à pied et puis j'ai rencontré une bonne vingtaine d'évêques ou archevêques sur la route pour leur parler de pastorale écologique. – Et alors, comment est-ce que vous êtes accueilli quand vous pointez dans un archevêché ?– Il y a un peu d'étonnement de voir un quelqu'un qui a 75 ans et 77 à la fin se déplacer pour aller les rencontrer à pied. Ouais. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était le message que j'essayais de leur passer. C'était des messages que, si je voulais les résumer, c'est de dire « vous n'avez pas à prendre parti sur les questions scientifiques ». D'ailleurs, c'est dans le concile, c'est marqué. Oui, c'est bon. Les laïcs n'ont pas à attendre de leur pasteur qu'ils aient une réponse à toutes les questions, même graves. Même si l'écologie est une question grave, les pasteurs n'ont pas à prendre parti. C'est dans Laudato aussi, le paragraphe 188, le pape le dit. J'appelle au débat et l'Église n'a pas à prendre parti sur les questions scientifiques. Bon, donc…
j'aurais envie de dire taisez-vous, mais d'un autre côté, le Concile dit bien l'inverse, c'est que l'Église a mission de discerner les signes des temps. Alors oui. Peut-être que l'écologie en est un, alors, et d'apporter une réponse éternelle. Alors, est-ce que le GIEC est une réponse éternelle à cette question? C'est une autre. Donc je leur disais, ben, la seule solution pour se taire tout en évoquant le problème, c'est d'organiser des débats contradictoires. Et puisque le pape dans Laudato si dit qu'il appelle à un débat honnête et transparent, ouais. Je suis complètement en ligne avec Laudato si. D'accord. Mais évidemment que vos interlocuteurs comprenaient assez vite que vous n'étiez pas tout à fait aligné sur le GIEC. Tout à fait, mais je me sens très à l'aise dans Laudato aussi, grâce justement à ces phrases d'appel au dialogue. Ouais. Et puis il y a quand même également beaucoup de choses dans Laudato aussi qui sont très étonnantes. L'appel à la sobriété, c'est une sobriété qui n'est pas une sobriété par précaution, c'est une sobriété vertu. Ouais, absolument. Hein, il y a des tas de... Oui, parce qu'effectivement, dans Laudato aussi, il y a des logiques qui sont réellement éternelles, qui sont de l'ordre de l'anthropologie. Voilà. La 16, c'est un appel qui date pas du 21e siècle. C'est... Exactement. On est en carême, la 16, ça devrait parler aux chrétiens. Donc ouais. c'est pas du tout absurde d'utiliser l'écologie pour refaire surgir des anciennes vertus. Ce qui est un peu problématique, c'est quand même quand on dit que l'homme est devenu un parasite de la création ou des choses comme ça. Oui, alors je vais vous dire un peu mon... Parce que quand on marche 3000 km comme ça, on lit les textes de l'Évangile du jour, on médite. Et j'ai pas mal médité sur ce thème qui d'ailleurs est une critique que je ne fais pas, mais une critique qui est faite souvent sur Laudato si, c'est qu'est-ce que le pape est allé se fourvoyer dans cette affaire-là. Et en réfléchissant, je me suis posé la question suivante, qui est l'éternelle question depuis des siècles, de la lutte de la tiare et du sceptre. Oui, absolument. Et donc l'empereur et le pape, c'est pas d'aujourd'hui, mais à l'époque de l'Empire romain germanique, comment s'appelait-il, Grégoire VII et Henri IV de Germanie se battaient, ça se terminait à Canossa. Ah, ouais. Bon, et puis plus récemment, vous avez quand même toute l'affaire de Pie XII et de Hitler. Bon, bah, on a beaucoup jasé là-dessus, mais enfin quand même... – Il y a la résistance spirituelle en face du pouvoir temporel. Ouais. – Le Pie XII a dit beaucoup de choses, et il faut voir que là aussi, il y avait une lutte à mort, puisque Hitler, en tous les cas, les nazis avaient dit qu'il fallait, après le communisme et le judaïsme et leur défaite, il y aurait le dernier ennemi à abattre, ce serait l'Église. Mmh. Et aujourd'hui, je me pose quand même, c'est une question que je me pose, ouais. Je vous la livre et à tous les auditeurs, est-ce que l'ONU n'est pas un nouvel empire ? Et que quelles sont les contraintes qui pèsent contre le pape? Mmh. Je n'en sais rien et je pense qu'il faut beaucoup de prudence et de soumission à cela, parce que quand on voit que le premier directeur de l'UNESCO plaidait pour l'eugénisme, ouais, quand on voit que le Conseil d'État, quand on parle du diagnostic prénatal, et qui éradique quand même beaucoup de trisomiques, ouais. Dit qu'il y a un risque de dérive eugénique. Quand on voit le mouvement européen pour l'éthique qui dit qu'il faut recommander l'euthanasie pour réduire le nombre d'Alzheimer. Mmh. Attendez, et tout ça, ça vient, c'est pas européen, c'est pas français, c'est mondial, enfin occidental, on va dire. Ouais. Et l'ONU est derrière, et qu'est-ce qui pèse comme... Et comme par hasard, je m'aperçois que Mgr Sorondo, qui était en charge de la négociation et de la rédaction de Laudato aussi, a dit, vous savez, on a négocié, on a discuté, que dans les objectifs du développement durable, comment faire pour réduire l'esclavage et toutes ces questions-là. Mmh. Alors, on peut ne pas être d'accord avec des négociations et la manière dont elles ont été menées. Mais qu'est-ce qui pesait sur le pape ? Moi, je pense qu'il faut beaucoup de révérence. Mm-hmm. On peut critiquer
Mais il faut beaucoup de révérence. Et je suis fidèle à l'Église jusqu'au bout, même si je ne partage pas les idées scientifiques qui ont été abordées. Mais alors, comment vos interlocuteurs, donc les évêques que vous avez rencontrés, ou les collaborateurs d'évêques que vous avez rencontrés, donc ils voient arriver déjà une personne d'âge mûr qui vient chez eux à pied, c'est déjà loufoque. Et puis, vous venez leur dire, écoutez, il y a quand même deux, trois problèmes dans la prise de position scientifique quasi officielle de l'Église. Est-ce que leur premier mouvement c'est de dire dehors? Est-ce que leur premier mouvement c'est de dire expliquez-nous ce que vous voulez dire? Comment ça marche ce genre de discussion? À chaque fois ça dure une heure, quelquefois un peu plus avec les laïcs qui les entourent. Je dirais que d'une manière générale, à part quelques cas, d'ailleurs, vous voyez que le livre est intitulé Monseigneur au singulier, donc ouais. Je ne donnerai aucun nom. Ça me paraît très sage, et en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la discussion. Non, mais d'une manière générale, à part quelques cas, l'accueil est curieux, l'accueil est à l'écoute, à l'étonnement, quelquefois. La prise de conscience qu'il y en a qui m'ont dit il est bien difficile d'être prophète, voilà. Bon, mon opinion, mais c'est pas eux qui me l'ont dit, c'est que l'Église aujourd'hui a beaucoup de difficultés. Oui, elle a déjà des divergences qui éclatent devant les médias sur les questions de politique de famille. Mm-hmm. Ne parlons pas des problèmes de mœurs et de pédophilie. Je pense que l'Église n'a pas du tout envie de se lancer dans un troisième front, surtout un front qui serait public. C'est de l'écoute, voilà. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra. J'ai semé et je suis en paix. Mais écoutez, j'espère que vos interlocuteurs feront germer ces semences. En tout cas, c'est vraiment une démarche que je trouve passionnante à tous égards. La démarche de pèleriner jusqu'aux évêques pour leur apporter une voix contradictoire, je trouve ça déjà très beau. Mais par ailleurs, l'entretien pacifique qui est quand même un peu au cœur nucléaire de la civilisation chrétienne, occidentale en particulier, je trouve que c'est très, très utile et c'est très apaisant aussi de se dire on peut être dans la même église et débattre ensemble. Tout à fait. Merci, cher Stanislas Delormina. Entretien Merci. Avec Monseigneur, c'est paru aux éditions Peuple Libre et c'est un livre que vous devriez absolument acheter, chers amis téléspectateurs. Merci. Et donc, ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour le dimanche des rameaux, et d'ici là, que Dieu nous garde.